d'être à nouveau réunis, mes amis, pour nous remémorer la légende des Bionicles. Il y a de cela très longtemps, six Toa extrêmement puissants vainquirent Makuta en l'enfermant dans une prison sur Protodermis, grâce à la force de leurs pouvoirs élémentaires combinés. Avant de devenir des Turaga, les Toa Metru s'unirent et firent le serment de délivrer les Matoran qui étaient emprisonnés par Makuta. Chacun pourrait ainsi retourner dans sa magnifique contrée pour annoncer la libération des Matoran. Mais Makuta n'avait pas laissé les Matoran endormis sans quelque protection. Ils étaient bien gardés par un roi impitoyable, une horde d'empoisonneurs et une reine malveillante. Aujourd'hui, les nobles Toa doivent affronter une nouvelle menace venue de l'ombre. D'odeur ici. Si vous voulez mon avis, il semblerait qu'il y ait eu une petite erreur de pilotage. Hey, j'ai jamais fait qu'exécuter les ordres qui m'étaient donnés par Vakama. Sois un peu indulgent, Mataou. Si on ne tient pas compte du style, l'essentiel, c'est d'y être arrivé. Si tu le dis. Est-ce que l'un de vous pourrait me sortir de là? Et voilà. Merci. À charge de revanche! Est-ce qu'on va rester planté là toute la nuit? Ou est-ce qu'on va secourir les Matoran? C'est quoi toutes ces toiles? Mon instinct me souffle que ça n'a rien d'un cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Oh. Hein? C'était quoi? Oh, rien, ce ne sont que de vieux voisins. Il doit y avoir une brèche dans les archives. T'avais quoi à l'intérieur? Toutes les espèces. Hein? Dangereuses pour la plupart. Des raïs? Les archives d'Onometru abritent un spécimen de chaque créature raï jamais découverte. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Et l'étoile? Ce sont des Visorak. Des créatures très cruelles. Si tu dis vrai, eh ben, y a de quoi s'inquiéter. Mais qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Nous allons au Colisée, nous sauvons les Matoran et on rentre. Ou bien on est pulvérisé. Oui, ça reste une possibilité. On a affronté Makuta et gagné. Alors, je doute que quelques vieilles bestioles nous donnent plus de fil à retordre. Pas vrai, les amis? Je sais pas. Suivez-moi! Hey, mais qu'est-ce que... Plus bouger!
Je suis bloqué. Ça me fait mal. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, merci. On est juste derrière toi, grand chef. On pourrait pas faire mieux. Ce n'est pas en se chamaillant qu'on va se sortir de là, Mataou. Non, mais un peu plus de réflexion avant de se jeter droit dans un piège aurait été plus malin. Si tu as quelque chose à dire, Mataou, alors dis-le. Oh, oublie. Hein? C'est quoi? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Laisse-moi deviner, c'est des Vuzerak? Ouais. Dans leur langue, des voleurs de vie. Ah, parce qu'ils ont une langue? Tout ce que je vois, moi, c'est leur dent. Vakama, qu'est-ce qu'on va faire? Grave, j'espère. Étant donné que tu es en retard, les nouvelles ont intérêt à être bonnes. Les Toa. Alors, ils sont revenus pour les Matoran. Les Matoran m'appartiennent désormais. Je présume que si tu m'annonces cela sans trembler de toutes parts, cela veut dire que les Toa ont déjà été capturés. Tu ne manquerais pas un peu d'imagination, Sidora? Daka, ou ma reine? Non, je ne suis pas ta reine. Pas encore. Oh, bien sûr. Simple formalité. Tu voulais dire quelque chose? Seul le temps et la puissance des ennemis vaincus permettent de juger les grands maîtres. L'histoire ne nous le rappelle que trop bien. Les Toa? De remarquables adversaires, mon roi, dignes de ton règne. Il leur faudrait une mort dont tout le monde parlerait et qui resterait gravée dans les esprits. Oh, je suppose que cette situation me permettrait d'entrer un peu plus dans la légende. J'ai toujours admiré ta clairvoyance, Sidora. Seulement, sois sûr que ta méthode laisse des preuves pour asseoir ta postérité. Des preuves? Apporte-moi leur corps. Tout ça n'a rien de très encourageant. Bravo, cracheur de feu!
On peut pas dire que tu nous aies pas fait voir la cité. Par contre, on peut dire que tu nous as fait capturer, empoisonner, et j'imagine qu'on nous a pas suspendu là pour la vue, hein. Non, mais plutôt pour une chute fracassante. Tu vois, il approuve. Ce n'est pas la faute de Vakama. J'ai essayé de vous guider du mieux que j'ai pu. J'aurais souhaité être meilleur. Mais s'il y a une chose que nos aventures m'ont apprise, c'est que je reste tel que je suis. Et quand bien même j'aurais voulu changer, je sais qu'on ne se change pas. Je suis désolé de vous avoir encore déçu. Qui m'est arrivé. Répondez-moi. Je suis un noble Toa. Plus tout à fait. Repose-toi, Makuta. Dors bien. Sache que je suis tout près de toi et que je mets tout en œuvre pour te sortir de ton sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils sont tous? Oh, y a quelqu'un? Sacré Vakama. Mais pourquoi c'est toujours lui qu'on devrait écouter? C'est pas croyable. Enfin. Qu'est-ce que c'est? Non! Oh non! Non, non! C'est pas moi! Je peux pas être aussi laid! Nokama? Matahou, tout va bien. Tout va bien? Tu appelles ça aller bien? On est tous là,
On va s'en sortir, ensemble. À quoi serviraient les amis, sinon? Il a raison, Matahou. Ça n'a pas l'air d'être ton avis, tête brûlée. T'es peut-être trop occupé à mijoter un autre plan de maître. J'en ai terminé avec les plans. Super! C'est la première chose sensée que j'entends depuis que je suis devenu affreux. Ah, mais on se moque bien de l'allure qu'on a. Et peut-être qu'il serait mieux de consacrer notre énergie à découvrir pourquoi on est devenu comme... qui nous sommes maintenant. Oui, plus vite on le saura, plus vite on pourra sauver les Matoran. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors que c'est nous qui avons besoin d'aide. Si vous êtes sage, et si vous souhaitez redevenir qui vous étiez, vous devriez écouter. Les Toa sont revenus exactement comme tu l'avais prévu. Et à l'instant même où leurs corps me seront apportés sur un plateau, je m'accaparerai leurs pouvoirs élémentaires. Et ce pouvoir, je l'utiliserai pour anéantir le misérable sort qui nous sépare l'un de l'autre. Ainsi, nous n'aurons plus besoin d'un souverain tel que ce vaurien de Sidorak, qui préfère se frotter les mains pendant les conflits plutôt que de se les salir pour les régler. Et ensemble, toi et moi, nous apprendrons à tous ces Matoran qui sont endormis à obéir à tes moindres volontés. Qu'est-ce que tu veux ? Les Toa ? Pourquoi tu me parles d'eux comme s'ils étaient toujours en vie ? Les Raga. Nous ne pouvons pas sauver les Matoran dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est bien vrai. Mes frères, ne perdons pas patience. Quitte Ongu. Qu'on quitte Ongu. Quitte Ongu. C'est la plus honorable des créatures. Un expert en matière de venin et poison. En outre, il est notre seul espoir pour contrer la horde des Vizorak. Si vous voulez redevenir les Toa que vous étiez avant, c'est Quitte Ongu que vous devez trouver. Mais qu'est-ce qu'on est maintenant? Le venin Ordica s'écoule à l'intérieur de vous. S'il n'est pas neutralisé à temps, il prendra racine. Et vous resterez des Ordica à jamais. Comme vous? Je suis un Raga. Je m'appelle Lorik. Et voici Gahi, Bomunga, Kualus, Pux. Et Irwini. Lorik, peux-tu nous conduire jusqu'à ce Quitte Ongu? Irwini. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si la réaction d'Irwini paraît peu appropriée, c'est parce qu'il sait que ce sera difficile. Avec mes frères Raga, nous sommes venus sur Metronui à la recherche de Quitte Ongu. Mais tellement de choses sont racontées qu'on peut douter de son existence. Et toi, tu y crois? Je veux y croire. Alors nous aussi. Oh, oh! Allons bon, Sorette. Tu crois pas qu'on pourrait en discuter du genre ensemble? Qu'est-ce que t'en dis, masque brûlé? Je dis que si on est revenu sur Metronui, c'est pour sauver les Matoran, pas pour faire un safari. Et tu as trouvé un moyen, c'est ça? Tu vas te servir de ton nouveau pouvoir Ordica. Un pouvoir que tu n'as pas encore appris à utiliser. Vakama? Je vais lui parler. Cette chose. Il ne t'aurait pas fait de mal.
J'aurais parié le contraire. Il était seulement effrayé. Les Mohakas sont de nature solitaire, ce qui les rend maladroits au contact des autres. Tu pourrais te reconnaître en eux. Fais attention avec ça. C'est un outil d'une extrême puissance. Ne t'inquiète pas pour ça. Je saurai en faire bon usage. Une fois que j'aurai appris. Et qu'est-ce que tu fais de tes amis? Ex-amis. S'ils pensent que d'être un leader est si facile, rien ne les empêche d'essayer. C'est vrai. Mais ils n'y arriveront pas sans toi. Et toi non plus sans eux. Mais comment sais-tu ça? Je l'ignore. Mais l'esprit divin le sait, lui. L'union, le devoir, la destinée, tout commence par l'union. Si vous, les Toa, voulez sauver les Matoran, vous devrez être tous ensemble. Tu ne pourras rien changer à ça. C'est ce qu'on verra. Vakama? Oh, non, Rick. C'est bon, tu es revenu. Vakama a l'esprit préoccupé en ce moment. Nous devons lui laisser du temps pour trouver sa destinée. Ouais? Et s'il ne trouve pas la bonne? Allez, on devrait tout de suite commencer à chercher Kitongu. C'est ça, Kitongu. Celui qui va nous rendre notre ancienne et superbe apparence. Allez, finissons-en. Mais par où on commence? Un endroit que vous connaissez par cœur. Je peux y arriver tout seul. Je vais leur montrer à tous. C'est tout ce que t'as dans ton attirail? C'est à toi de décider. C'est pourquoi je t'ai invité ici. Tu parles d'une invitation. Mais peut-être que cette fois, elle sera plus à ton goût. J'ai une proposition à te faire. Et si je ne veux pas l'entendre? Allez, sois raisonnable, Vakama. Comment connais-tu mon nom? Je connais beaucoup de choses sur toi. Quel mal y aurait-il à m'écouter? Le temple sacré? Ouais. Ça aurait pu aider les Toa qu'on était de venir ici, mais maintenant, j'en doute. On ne trouvera jamais le moyen de changer si tu continues à avoir ce genre de discours. T'as raison, je suis désolé. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Oh, si, je sais. Je suis devenu abominable. Oh, Matarou. S'il arrêtait ce vacarme, nous pourrions entrer. Les secrets sont un vrai fardeau. Mais Sidorak ne doit pas savoir qu'on se parle. Sidorak? Le souverain des Vizorak. Et il ne sait pas que tu m'as capturé? Pas encore. Et ça se dit souverain? Précisément. Tu n'as pas peur qu'ils aillent lui répéter ce que tu viens de dire? Ils me sont fidèles. Ah oui. Comme toi envers Sidorak! Exact.
Ils m'obéissent parce que je suis très puissante. Ils me craignent et par conséquent n'oseraient jamais remettre en question mon autorité. C'est ça, la domination, Vakama. Voilà comment les autres Toa devraient te traiter. Alors peut-être qu'ainsi, ils te considéreraient avec tout le respect que tu mérites. La horde de Vizorak est innombrable, Vakama. Leur unique point faible est la voix de leur roi. J'ai confiance en mes partenaires, Toa. Pour faire quoi? Te soutenir? Ils ne sont pas dignes d'avoir un chef comme toi. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Oh! C'est ta... Oh. Ta métro. Allez, on a toutes les chances de trouver Kitangu à l'intérieur du temple. Quelque chose ne va pas? Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Le mieux pour nous serait d'attendre dehors. Ce temple est un endroit sacré pour les Toa. Alors, après ce qu'il nous est arrivé, je ne suis pas sûr que ce serait bien d'y entrer. Je vous comprends. Notre travail ici ne passera pas inaperçu. Vous devez surveiller les portes du temple, nous en aurons jusqu'à demain matin. Tu peux compter sur nous. Hé, hey, attendez! Vous voulez pas qu'on en discute un peu avant? Non! Quand j'étais un Matoran, Tametru était mon univers. Ça représentait tout pour moi. Et aujourd'hui encore. Il est possible que ce soit à nouveau chez toi, Vakama, que tu y règnes comme bon te semble. Tout ce que tu dois faire, c'est prendre la tête de ceux qui t'obéiront correctement. Commande la horde de Vizorak. Je ne sais pas. Je peux comprendre ta réticence. Tu voudrais une preuve? Jetez-vous dans le vide! Oh. L'obéissance, c'est la première de toutes les leçons que je peux t'apprendre, si tu le veux. Et c'est quelque chose que ton roi permettrait? Il y a un moyen. Oui. Il y en a même 6. Je t'écoute. Les larmes, suivez les larmes. Kitangu. Les larmes qui touchent le ciel. Est-ce que tout va bien, Gaaki? Oh, Rick, j'ai entendu quelque chose. Ah, ça devait être moi, sûrement. L'âge nous rend bruyant tout autant que prudent. Non, c'était une créature. Un Vizorak? Oh, je suis sûr qu'il n'y a rien. C'est une traduction extrêmement complexe. Je crois... que tout ce travail m'a vraiment épuisé. Rassemble nos frères et retournez dehors. Je vous rejoins tout de suite. Trop tard, Vakama. Tu n'as pas besoin de faire ça. Donne-moi une raison qui m'en empêcherait. Les autres Toa, ils ont besoin de toi pour les guider.
Toujours le meilleur pour les autres. Elle avait raison à propos de Norik, à propos de moi aussi. Mais enfin, de qui est-ce que tu parles, Vakama? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Tu le découvriras bien assez tôt. Tu peux compter sur moi. Je ne comprends rien du tout. Tu n'as pas à comprendre le message, Norik. Juste à le transmettre. Ce message, dis-moi quel est-il? Norik a dit qu'ils auraient terminé au lever du jour. Oh. L'un d'entre vous a vu quelque chose cette nuit? Non, rien du tout. Rien de rien. Ouais, c'était soporifique même. Eh bien, moi, j'ai trouvé le silence de la nuit fascinant. Bien. Je me demande bien pourquoi les Rahaga mettent autant de temps. C'est si dur que ça de trouver des indications? Oui, surtout quand tu dois chercher une créature que personne n'a vue depuis la nuit des temps. Pas simple. Tu parles. Oh, ne sois pas si pressé, Mataou. Oui, un peu de patience, Mataou. Un peu de patience, Mataou. Eh ben moi, la patience me lâche quand je vois la tête que j'ai. On a déjà perdu une nuit entière. Alors maintenant, ça suffit. Dépêchons-nous avant que... Ah, ah, ah. Le temple sacré. Allons vite, vite, nous devons trouver les Rahaga. Norik, Kaki, tout est détruit. Hein? Où êtes-vous, Kaki? Norik, où êtes-vous? Irwini, Norik, où est-ce que vous êtes? Est-ce que tout va bien? Norik, Nuju, est-ce que tu peux voir quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Oh. Attendez, le voilà! Il est par ici! Il est coincé. Écartez-vous! Norik, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais aimé que Vakama soit là. Il... l'était... Qui fait une erreur, Sidorak. Je ne suis plus un simple Toa. Un Toa, Ornika? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Me joindre à vous. Et te présenter la preuve de ma valeur. Oh, Vakama! Ne fais pas ça! Entre, nous allons parler. Vakama n'aurait jamais fait une chose pareille. N'est-ce pas? Oh, tu as raison, Nokama. Le Vakama que tu connais ne l'aurait pas fait, mais il a changé. Ce qui vous arrivera à tous aussi, si nous ne trouvons pas Kitongo. Je crains que Vakama se soit laissé submerger par la bête qui progresse à l'intérieur de lui. Les racines, l'origine, toutes les choses que nous avons apprises vont s'effacer au fur et à mesure. Ornika, c'est comme ça qu'il se nomme. Je n'ai pas franchement envie de devenir un Toa, Ornika.
tout n'est pas mauvais. À toi de décider de ne pas l'être. Oh, devenir un Toa Ordica peut t'accorder certains avantages. Admettons que tu aies raison. Alors on a intérêt à trouver Kitongu et sauver les Matoran avant que cette bête nous ronge entièrement. Exact. Mais je dois vous mettre en garde. Il est possible que Vakama soit déjà allé trop loin, que même Kitongu ne pourrait rien faire. Eh bien, nous devons essayer. On doit bien ça au cracheur de feu, non? Et j'ai peut-être été un peu dur avec lui. Et si tu ne peux rien faire pour lui? J'en fais mon affaire. Alors, continuons les recherches. Nous avons eu le temps de traduire un bon nombre d'indications avant que Vakama ne nous attaque. Suivez les larmes qui coulent de Kometru jusqu'à ce qu'elles touchent le ciel. C'est là-bas que nous trouverons Kitongu. Des larmes qui touchent le ciel? Ça nous dit pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Toa, Vakama. Ce nom ne veut plus rien dire pour moi. Ça l'a été une fois, et ça le peut encore. C'est vrai. C'est possible. Si tu as envie de redevenir quelqu'un de faible... Jamais! Tu es exactement tout ce que j'espérais et attendais que tu sois. Viens, il est temps que tu aies un aperçu de ton futur. Vite! Il faut se dépêcher! Maintenant que les Toa Ordica étaient sur la piste des larmes qui touchaient le ciel, Norik était certain que cette voie les mènerait jusqu'au légendaire Kitongu. Pendant que nos valeureux héros traversaient l'île de part en part, surmontant toutes les embûches rencontrées au cours de leur périple, l'ombre de la Horde des Vizorak ne se trouvait jamais très loin derrière eux. Alors que ce noble groupe suivait toujours le flot des larmes de Kometru, les déserts se transformaient en de gigantesques montagnes des eaux glacées de Protodermis. C'est dans ce décor argenté que nos braves voyageurs allaient découvrir un étrange et merveilleux endroit. Les larmes! Voilà comment elles touchent le ciel! Le trône sera bientôt pour toi, Vakama. Vas-y, touche-le. Tu peux regarder, Vakama. Mais on ne touche pas. Je tenais à te remercier personnellement. Car grâce à toi, les Raga vont pouvoir retrouver la place qui leur est due. Dans une cage. Ceci n'est qu'un avant-goût de tout ce qu'il pourrait t'offrir. Qu'un avant-goût? Oui. C'est ça, mon roi. Et moi, je t'offre Vakama comme cadeau. Un chef idéal pour commander ta horde. Toa Ordica ou pas, je n'en vois qu'un. C'est pourquoi les autres Toa viendront d'eux-mêmes jusqu'ici. Avec Vakama à la tête de ta horde, ils seront capturés et dressés, tout comme lui. Tous les six seront-ils suffisants pour te faire plaisir? C'est une très belle offre, Rudaka. Considère cela comme un cadeau de fiançailles, mon roi. Dans ce cas, laisse-moi t'introduire auprès de ma horde. Tu sais, Vakama, je trouve qu'on se ressemble beaucoup, toi et moi. Oh, cela était un compliment, Vakama. Oh, merci, mon roi. Oh, n'y prête plus attention. Ainsi est la générosité de mon règne. Ma horde est d'une obéissance absolue. Ils exécuteront tous tes ordres.
ordre. Sauf bien sûr si j'en décide autrement, évidemment. Évidemment. Parfait. Oh. Et maintenant, à toi, la horde de Vizorath. Peut-être que tu aimerais leur dire quelques mots. Venez vite, les gars! C'est incroyable! C'est Kitongu! Eh ben non. Ne porte pas de jugement si hâtif, Matahou. Nous sommes désolés de perturber ton repos, ô grand noble. Mais le devoir de Setoa les a conduits jusqu'ici pour solliciter ton aide. D'accord. Je vois. On aurait bien fait un brin de causette, hein? Mais là, on doit y aller. Wow! Vous avez vu ça, les gars? N'est-ce pas là tout ce que je t'avais promis? On devrait bientôt le savoir. Absolument. Une nuit lourde de conséquences s'annonce. Tiens-toi prêt avant que tout se termine. Beaucoup de choses vont changer. Comment va la horde, Vakama? Obéissante. Et prête. Et ensuite, nous avons été pourchassés par les Vizorak. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes venus ici. Et c'est pourquoi nous vous demandons votre soutien. Pouvez-vous nous aider à faire revenir Vakama? Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. Allez, faut qu'on y aille. Kitongu ne peut pas se lancer dans une bataille en votre faveur. Cependant, il peut venir en aide à ceux qui sont fidèles aux trois vertus. En fait, c'est exactement la mission qu'il a à accomplir. Alors il va pouvoir rectifier notre apparence et nous rendre notre allure de héros? Non. Oh. Kitongu voit avec son seul œil tout ce que nous avons oublié de regarder avec les nôtres. Si vous voulez sauver Vakama, vos nouvelles formes et nouvelles aptitudes vous seront nécessaires. Ne vous en débarrassez pas. Alors, si j'ai bien compris, on a fait tout ce chemin uniquement pour s'entendre dire qu'on a fait tout ce chemin pour rien. Lui aussi, il trouve ça très drôle. C'est ça, très drôle. C'est un mourir de rire. Par contre, votre histoire et votre dévouement pour votre ami a touché Kitongu. Il trouve votre requête honorable. Et donc, il aimerait bien vous offrir son aide. Union!
Toi aussi, mon grand. N'oublie pas, Vakama. Tu n'as plus besoin d'eux à présent. Vous avez commis une grave erreur en venant jusqu'ici. On est venu là pour te sauver. Les seuls que vous pouvez sauver, c'est vous maintenant. Inclinez-vous et vouez-moi allégeance. À moi et à Sidorak. Et si on refuse ? Je vous y forcerai! Vous êtes prêts? Tu penses que ça va fonctionner? Chargez! Repose la question dans une minute! Nokama! Maintenant! Allez-y! Feu! Ah, attendez-moi! On se retrouve plus tard! Où est parti Matao? Ils sont trop nombreux! Ouais, mais on n'a plus le choix! Et toujours ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être Kitongu. Mais Kitongu n'existe pas. Eh bien, apparemment, vous avez eu tort de le croire. Je vais m'occuper de lui. Non, Vakama. Ce n'est pas ton rôle. C'est celui d'un souverain. Si Kitongu n'était pas un mythe, il ne va pas tarder à le devenir. Reste ici. Tiens-toi prêt. Parmi nous, on est là pour sauver les Matoran. Les Matoran. Ne me dis pas que t'as oublié. Ah.
être impressionné. Voilà, c'est fait. Non. Je veux dire, on devrait peut-être s'en assurer. Bien sûr, si cela est nécessaire. Ça l'est. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est clair. Je te laisse lui donner le coup de grâce, Rudaka. Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu n'achèves pas? Tu n'as qu'à le faire. Mais je ne peux pas le vaincre tout seul. Je le sais. Rudaka. J'arrive, Makuta. Kama, on est tous destinés à périr. Je vois qu'on a besoin d'un coup de main. Merci, Norik. À charge de revanche. Vakama, je suis faible. Alors, finalement, tu admets la vérité. Nous faisons tous des erreurs, Vakama.
cela arrive quand on a le courage de prendre des décisions. Je comprends ça maintenant. Je ne te crois pas une seule seconde. Attends. C'est trop tard. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Notre force vient de notre union, Valkama. Ce qui signifie que tu ne peux pas être fort sans nous. Je suis plus fort et bien meilleur tout seul. C'est impossible, je ne peux pas le croire. Et je suis sûr que toi non plus, d'ailleurs. Tu es notre leader, Valkama. Tu es mon leader. Nous avons une mission à accomplir. Un devoir. Les Matoran. Notre destinée est de les sauver. C'est ta destinée. Et s'il reste une flamme du Valkama que je connaissais, il saura ce qu'il faut faire. Matahou ! Non ! Accroche-toi, Matahou, j'ai un nouveau plan. Allez bien, je t'attends. Il y en a des milliers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je n'aime pas ça du tout. Quelque chose que je veux. Vos pouvoirs élémentaires. La terre, la pierre, la glace, l'eau, le feu m'appartiennent déjà. Oh, attendez. Il m'en manque un. Et voici l'air. Ils sont tous à toi, ma reine. Merci, Valkama. Maintenant, voyons à quoi ces pouvoirs ressemblent. Tu veux vraiment le savoir? On va te montrer. Ah, d'accord. Qui a envoyé la décharge chatouille? Idiot! Vous, ainsi que vos pouvoirs, n'êtes absolument rien si vous n'êtes pas unis. Et comme Valkama est de mon côté. Justement, je voulais qu'on parle de certaines choses. Tu pourrais me battre, Valkama, mais pas toute la Horde. Attaque-moi, et tu peux être sûr qu'ils te détruiront, toi et tes amis. Tu devrais y réfléchir. C'est fait. Et vu que tu as convaincu Sidorak de me confier leur commandement... Sortez d'ici! Tous! Vous êtes libres! C'est un ordre! Ah!
parlé de trahison alors qu'ils étaient des esclaves. Et moi qui pensais que tu pourrais devenir un roi. Je dirige seulement ceux qui choisissent de me suivre. C'est toute la différence entre être un leader et un tyran comme toi. Un certain Toa m'a dit ça. Non, Vakama, arrête! Vakama, est-ce que tu as une idée de ce que tu viens de faire? Son cœur de pierre lui vient de Makuta. Oui, sculpté dans le même protodermis avec lequel vous avez emprisonné Makuta en le détruisant. Tu as brisé sa prison. Je sais. J'ai rendu sa liberté à Makuta. Mais pour je ne sais quelle raison, il ne me fait plus peur maintenant. Se relever. Avec tout ce que vous avez déjà fait pour nous, vous ne nous devez plus rien. Mais mon devoir me pousse à vous demander si vous pourriez nous changer. Il veut savoir pourquoi vous tenez tant à ça. Maintenant que vous avez fait la paix avec la bête qui sommeille en vous, ce pourrait être même la meilleure chose qui vous soit arrivée. Notre destinée est d'être des Toa, et de tenir nos promesses auprès des Matoran. Le devoir. Alors vous le serez. Maintenant, nous allons vous mettre en sécurité. Prêt pour le retour, mes frères ? Super, le vaisseau ! Hé, hey, Taou ! Essaie de ne pas nous cracher cette fois. Hey ! Eh bien, mon ami, je crois que c'est terminé. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, Vakama. C'est moi qui devrais te remercier. Je ne comprends pas. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une légende se réaliser. Oh, oui, Norik, c'est un spectacle à lui tout seul. En effet, mais je ne parlais pas de Kitongu. La grande libération des Matoran. Oui, et maintenant je sais que les Matoran sont entre de très bonnes mains. Entre les tiennes.
Senare Matanui. Il est parti. Pas pour longtemps. J'imagine qu'on va très bientôt le voir réapparaître. Et qu'est-ce qu'on fera alors? Nous trouverons un moyen de le vaincre. Parce que tel est le devoir des Toa. J'en étais sûr. Je savais que Makuta nous suivrait jusqu'ici avec la menace de plonger notre nouvel univers et tous ceux qui y seraient les bienvenus dans l'ombre éternelle. C'était à cette époque que j'ai découvert que nos destinées n'étaient pas gravées dans la pierre, mais que nous devions les trouver par nous-mêmes. J'ai trouvé la mienne. Maintenant, le temps est venu pour vous de créer de nouvelles légendes. Voici l'univers Bionicle.